L'enfant errant. Un pied dans la nuit qui se termine, et l'autre dans le jour qui se lève. Un enfant seul enjambe l'horizon. Il pose le pied sur la terre froide et se met en marche. L'enfant seul marche, sans s'arrêter, marche du pas de celui qui a trop marché pour pouvoir courir, mais que rien ni personne ne peut arrêter. Il marche. Pendant combien de temps marche-t-il? Une heure? Deux jours? 7 ans? Personne ne peut le dire. Il marche. Et une heure, deux jours, 7 ans plus tard, l'enfant seul arrive aux portes d'une petite ville. D'où viens-tu? Lui demande le garde. Je viens d'un pays qui n'existe plus et pas encore, répond l'enfant. Qui es-tu? Je suis le dernier et le premier. Comment t'appelles-tu? J'ai oublié. Quel âge as-tu? Je ne sais pas. Où est ta famille? Elle a disparu. Pas de pays, plus de nom, pas d'âge et sans famille? Tu n'as pas grand-chose. J'ai un rêve. Quel genre de rêve? Un beau et grand rêve. Tu es dedans. Et qu'est-ce que je fais dans ton beau et grand rêve? Demande le garde. Tu m'ouvres les portes de la ville, répond l'enfant. Les rues, les maisons, les fontaines, les statues, les arbres, les fleurs, la langue que les gens parlent, les habits qu'ils portent, leur façon de se saluer, s'ignorer, se battre, leurs grimaces, les animaux qu'ils promènent, la musique de l'aveugle qui berce la vie. C'est nouveau pour l'enfant. Les fruits aussi, que les marchands vendent sur le marché. Leurs parfums, leurs couleurs, leurs formes. L'enfant seul regarde les fruits. Il a faim. Il a soif. Il est pris de vertige et sa main s'avance lentement, vers... Au voleur, crie le marchand. L'enfant seul se met à courir. Il court à travers la ville qu'il ne connaît pas. Il court, et les gens de la ville le poursuivent. Le vendeur de fruits, sa fille, un client, le maire, sa secrétaire, le prêtre, le facteur, l'institutrice, deux gendarmes, la crémière, son mari, le cantonnier, le boucher, la charcutière, les pompiers, la boulangère, son chat,
le croque-mort, un corbeau, l'infirmière, ses malades, trois chasseurs, l'aveugle, quelques chiens nus. Certains brandissent des outils, des armes ou des béquilles, d'autres des gros livres, des cordes ou des baguettes, d'autres encore agitent leurs mains vides en poussant des grands cris. Et ceux qui ne poursuivent pas l'enfant seul l'attendent sur leur balcon. Fruits pourris, viande avariée et jouets cassés, plantes malades, poissons morts et vieilles soupes, beaucoup d'insultes et quelques pièces périmées s'abattent sur l'enfant seul qui court. Pendant combien de temps court-il? Une minute? Deux heures? Trois jours? Personne ne peut le dire. Il court, et une minute, deux heures, trois jours plus tard, l'enfant seul et blessé arrive aux portes de la ville qui s'ouvre devant lui. L'enfant seul et blessé sort de la petite ville. Il ne court plus. Il titube. Tombe. Et se traîne à quatre pattes vers la mer. Quand il arrive sur la grande plage, il se tourne vers les gens de la ville qui s'avancent vers lui. D'où viens-tu? Lui demande la foule. Je viens d'un pays qui n'existe plus et pas encore, répond l'enfant. Qui es-tu? Je suis le dernier et le premier. Comment t'appelles-tu? J'ai oublié. Quel âge as-tu? Je ne sais pas. Où est ta famille? Elle a disparu. Pas de pays, plus de nom, pas d'âge et sans famille. Tu n'as pas grand-chose. J'ai un rêve. Quel genre de rêve? Un beau et grand rêve. Il contient le monde. Le monde, s'étonne la foule. Rien n'échappe à mon rêve. Cette ville que je viens de traverser est en ce moment au cœur de mon rêve, et ses habitants qui me chassent aussi. Vous êtes mes invités. Quoi ? Hurle la foule. Invités dans mon rêve. Mais faites attention. À quoi ? À ne pas me réveiller. Pourquoi ? Si je me réveille, qu'est-ce que vous deviendrez ? Demande l'enfant. Dans le sable humide de la plage, l'enfant seul dessine un grand bateau. Il dessine tout. La coque, le pont, le gouvernail, la cabine, le mât, la grande voile et un panier rempli de fruits du marché. Quand le bateau est prêt, l'enfant seul s'assoit à la barre et attend que la marée monte. Porter le bateau de sable. Dans le bateau de sable, l'enfant seul dort encore et rêve le monde. Dans le monde, les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes sans s'inquiéter d'être dans un monde rêvé par un enfant qui traverse la mer dans un bateau de sable. Pourquoi s'inquiéter? Tout le monde sait qu'un bateau de sable qui traverse la mer, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Sauf dans les rêves.
Musique. Oliver Paul-Auffray. Texte. Gilles Auffray. L'enfant errant, avec des illustrations de Marion Janin, est publié à l'atelier du Poisson Soluble.